habitués de la taverne, bien le bonjour. Comme vous avez pu constater ces derniers temps, il y a des petits changements dans la taverne. Il y a un bar qui est arrivé à place de la table de construction. Et le décor derrière moi évolue lui aussi. Mais il va falloir le remplir un petit peu parce que tout ce qui était sur les étagères ci sont partis sur le côté. Ce qui fait que c'est fait un petit peu vite derrière moi. Et comme c'est une taverne, on va faire une décoration digne de ce nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs DIY décoratifs pour un bar style pirate ou steampunk. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Encore une fois, je vais faire très simple avec des matériaux pas chers qu'on peut potentiellement avoir chez nous. Bonne vidéo à tous et à plus tard.
Monsieur, ce petit tutoriel est à présent terminé. Alors c'était marrant parce que entre la date où j'ai commencé à fabriquer et la date où je fais cette intro et cette outro, il s'est passé beaucoup de jours, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait j'ai perdu énormément de motivation en cours de route hein, et ça s'est vu dans le résultat final. Normalement c'était censé être beaucoup plus joli que ça, avec une déco à l'intérieur, des petites pointes et tout pour faire un petit peu comme le jeu du Molko. Et en fait j'en avais marre. Voilà, ça arrive, hein, ça n'a pas été une période riche en motivation, dirons-nous, on va dire ça comme ça, et du coup j'ai fait au plus simple pour le finir parce que j'avais commencé. Bah, vous avez pu constater que j'ai pété le plexi, j'en avais qu'un, j'ai fait très simple à l'intérieur côté déco, ça aussi je l'ai pas décoré, voilà. Bon, la bouteille ça va, hein. Elle était censée être comme ça, j'étais juste censé en faire plusieurs de tailles différentes dans des formes différentes, mais bon vous avez compris à peu près le principe. Voilà, j'espère toutefois que ce petit tutoriel vous aura plu, hein, malgré que ce soit pas le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. On est très loin des 10 000 abonnés. Là, c'est vraiment, il manque vraiment plus grand chose. Je crois qu'il en manque 400 ou 500, un truc comme ça, pour enfin franchir le palier des 10 000. Ça fera plaisir, ça fera tellement plaisir qu'il y aura une vidéo prévue à cet effet qui va chier des marmottes, dirons-nous. Voilà, quoi qu'il en soit, encore une fois, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bisous.